chers petits squatteurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une bonne introduction là, les chers petits squatteurs. Eh bien voilà, je vous avais promis de vous emmener avec moi à la mer. Donc je suis à Trouville. Je suis venu par le train ce matin. Je suis parti à 7h30. Il est à peu près, il est pas loin de 10h du matin. Donc je vais passer la journée ici. Et puis on va voir tout ça dans cette vidéo. On va visiter un petit peu la ville ce matin. Je vais essayer de me trouver un petit resto sympathique. Alors là, je vais faire une petite entrave, un petit coup de canif dans le contrat, mon régime végétarien en général, parce que je vais me prendre un petit plateau de fruits de mer si je trouve, parce que ça me manque quand même. Faut dire que moi, j'adore les fruits de mer, ça me requinque. C'est plein de vitamine B12. J'espère que je suis pas pour le fait de mettre des animaux vivant dans l'eau bouillante, mais bon, il paraît que la plupart des mollusques n'ont pas de système nerveux, les huîtres, tout ça, j'en sais rien du tout. Enfin bon, je le fais pas tout le temps, je vais faire une exception à la règle. Ça me plaît pas trop, mais en même temps, voilà, je sais que les fruits de mer, ça me requinque vraiment. Et puis, c'est une fois par an, voire moins. Ça fait très très longtemps que j'en ai mangé. Donc, je vais me faire un petit resto ce midi. Je vais essayer de trouver un distributeur de billets, là, voilà. Là, je suis en face du casino, enfin d'un des casinos que je vous montre. Voilà, je peux retourner comme ça. Il est où le casino? Il est là, juste là. Je vous fais un petit zoom. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent et risquer d'en perdre le double, vous venez là. Voilà. Bon, ça m'a jamais vraiment attiré, les casinos. Bon, après, ça dépend comment on joue et tout ça, mais c'est pas un truc qui m'attire. J'aime pas le côté un petit peu riche, tout ça, du casino. Et puis, il y a toujours le risque, oui, de gagner une bonne petite somme d'argent et puis de la reperdre et d'en reperdre le double. Donc, voilà. Tiens, j'ai une amie mouette. Ça y est, elle est partie. Je peux pas vous la filmer. Elle était venue vraiment près de moi. Donc, voilà. Il y avait une vidéo qui devait être, j'avais dit dans un de mes lives, j'avais tourné une vidéo pour vous donner des nouvelles, mais hélas, j'ai effacé la carte SD. Donc voilà, il y a un petit peu de vent, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien, mais voilà, c'est vrai que c'est les vents marins avec cette caméra là, le vent c'est pas terrible, et ça discute, hein. Elles sont là, il y a du monde, hein, vous pouvez voir. Alors je vais prendre mon écran par contre parce que j'ai un contre-jour. Voilà, il y a du monde comme vous pouvez le voir. We'll be right back.
prix sont désespérants. Là, je suis sur un Ibis, une chambre standard, donc une chambre de pour une personne de base, 173 euros. Et avec la carte business, c'est un mot, voilà, 155,70 €. On est dans un Ibis, donc ça donne une idée des prix. Je suis allé voir là, plateau de fruits de mer, 50 euros. Donc je vais voir, mais je veux bien me payer un petit peu de plaisir, mais de là à me faire arnaquer, il y a quand même une différence. Alors là, j'arrive sur un endroit célèbre, ce sont les planches de Deauville. Avec tous les noms des vedettes, des stars qui sont venus à Deauville dans le cadre du festival de Deauville, festival de cinéma, et puis à d'autres occasions. Alors là, c'est un endroit très très célèbre. J'ai regardé s'il n'y a pas une truc de libre pour j'irai squatter partout. Très bien à marquer là. Voilà, et puis d'autres, pourquoi pas Kangouvan, pourquoi pas, je sais pas moi, ferait marquer Zozo RTB, là ce serait pas mal. Spartan YTB aussi, ce serait pas mal du tout ça. Hein. Vous voyez les noms. Regarde s'il n'y a pas, oui, une petite place pour le Gaulois et sa famille. Alors les planches là, parce que c'est en bois. Et toutes ces vedettes là se sont promenées ici. Alors il n'y a pas que des Français, hein, comme vous pouvez le voir. Des acteurs, surtout des acteurs. Oui, alors là je me vois pas du tout, je vois pas ce que ça donne. En plus c'est plein soleil, donc si l'image est dégueulasse, que la lumière est dégueulasse, bah veuillez m'en excuser. Oui, j'ai encore le masque parce que pour marcher sur les planches, le masque est obligatoire, figurez-vous. Donc je vais l'enlever d'ailleurs parce que c'est un petit peu chiant. Sur la plage, il n'y a pas besoin de masque. Sur la plage, on n'est pas protégé. Par contre, sur les planches, il faut se protéger. Bref, les nouvelles, j'ai trouvé un petit resto là. J'avais prévu un budget de 40 euros maximum pour manger. Et du coup, c'est sur le bord des planches que je vais pouvoir manger à peu près pour ce prix-là. Voilà. Bon, voilà, pas de fruits de mer. Donc, du coup, je suis revenu à mes sources. Donc, salade végétarienne. Alors, dedans, il y a. Ça, je crois que j'aime pas. C'est de la wasabi ou je sais pas, je vais voir. Il y a de la mangue, il y a du melon, il y a les trucs rouges, je sais pas ce que c'est, des cœurs de palmier, un petit peu de quinoa. En tout cas, c'est bien frais. C'était censé être des oignons rouges normalement, mais bon, on va s'en contenter. Il y a un petit peu de tout, donc salade bien fraîche pour ce midi, avec une petite bière pour accompagner. Bon, voilà, sur la plage à Deauville. Alors, je suis pas très couleur locale là, avec mes chaussures achetées 10 euros sur chez Action. On va donc changer ça. Voilà qui est mieux. Oui, je sais, Enzo, t'as les mêmes. C'est acheté 5 euros chez Action, mais on va pas le dire. Hein. Je suis plus couleur locale. Dédicace à Enzo, Zozo RTB sur YouTube. Allez voir sa chaîne YouTube. J'attends la sortie de Pamela Anderson et de... comment qu'il s'appelait David Hasselhoff, là, avec la bouée en train de courir sur la plage pour sauver quelqu'un qui serait dans la noyade. Le poste de secours est là en tout cas.
Non mais là par contre c'est abusé, vous voyez, je vois pas du tout mon écran, j'ai trop de lumière dessus là, je suis en plein soleil, mais voilà, il y a des canettes, il y a des déchets partout. Enfin je sais pas, ça gêne pas les gens de... Enfin je comprends pas, là j'avoue que je comprends pas. Les gens se plaignent quand il y a des rats, il y a des... tout ça. Ils se comportent... Encore les rats c'est propre à côté de ces gens-là, voilà, on a fait un pique-nique, on laisse tout. Bah c'est dégueulasse, des boîtes de McDo, des bouteilles plastiques. Voilà, c'est vraiment. Il y a des gros porcs quand même. Hein. Là, il y a encore des canettes. Le coin, là, j'étais venu il y a quelques années, c'était nickel. Et maintenant, c'est dégueulasse. Les gens sont des gros porcs, hein, parce qu'on peut pas dire autrement, sont des gros porcs. Voici l'endroit exact où les candidats de Koh-Lanta viennent faire le piquet lorsque la mer est haute. Vous voyez, les piquets sont là. Ils doivent tenir en équilibre sur ce genre de piquet. Donc du coup, ils viennent ici à Deauville après avoir joué au casino, tout ça. Bah, ils viennent faire le piquet ici. Bon ben voilà, me voilà en train de profiter de la plage après avoir mangé. Alors j'enlève pas mon t-shirt parce que j'ai pas de crème solaire. Et là je viens juste de finir de manger. Alors pour la bouffe c'était très sympa. Dans la salade il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Là il y avait les trucs rouges là, que je vous avais montré. Il y en a peut-être qui auront reconnu, c'était de la grenade. Il y avait aussi des algues. Les algues c'était très très bon. J'avais jamais testé les algues. C'est vrai que sur les plages on voit des algues qui sont plutôt ragoûtantes, mais apparemment en pleine mer, il y a des algues qui sont vraiment très très bonnes et c'est très vraiment fin, c'était vraiment très très bon. Et j'ai pris des sorbets en dessert et j'étais très, je suis très très bien nourri. Là, je pourrais pas rajouter quelque chose. Donc, bah, je vais attendre de digérer un petit peu avant de profiter de la plage. Non, je suis embêté, j'ai oublié mes lunettes de soleil là, rétractables. C'était vraiment l'occasion de les mettre et du coup je les ai pas. Donc excusez-moi de grimacer pendant que je fais ma vidéo, mais bon voilà, je suis en plein soleil. Et puis bah, je suis content d'être là, c'est sûr. Hein, j'avais envie de retrouver un petit peu l'air marin, comme on dit, hein, après avoir été coincé pendant très longtemps. Mais je suis assez déçu de ce qui est devenu la plage. Là, c'était pas comme ça. Je suis venu il y a. Enfin, j'étais venu avec un centre de loisirs en tant qu'animateur, mais j'étais venu en famille il y a plusieurs années. C'était pas comme ça. Il n'y avait pas autant de dégueulasseries par terre. Il n'y avait pas. Voilà, là c'est assez. Je viens de m'éloigner d'un groupe là qui était. J'aime bien la musique, mais sur la plage, bah, je préfère entendre les mouettes. Et puis de là, c'était du rap, wesh wesh, plein d'autotunes. Voilà, moi c'est vraiment pas mon truc. Donc je suis venu dans un coin un petit peu plus tranquille pour faire un semblant de sieste. Ok, avec la chaleur qu'il fait, ça va être difficile. Je vais pas m'endormir, je pense. Et puis. Puis quand Gouvan avait raison sur une de ses vidéos qui date de l'année dernière ou il y a 2 ans, ben on voit plus de paire de lolos, c'est fini. Où sont passés les lolos qu'on voyait dans le temps? On avait l'occasion de croiser une belle paire de lolos seins nus et c'était pas désagréable. Et là non, c'est, il y en a plus, hein, on n'en voit plus. Alors tout le monde n'était pas comme ça, mais de temps en temps, hein, pour le plaisir des yeux, hein, on regarde avec les yeux évidemment, mais c'était pas désagréable. Là les lolos, ils ont disparu, ils sont emmitouflés. Je sais pas s'ils doivent porter un masque pour le coronavirus, mais les paires de lolos ont disparu. Avis à la population, je suis à la recherche des paires de lolos qu'on pouvait voir dans le temps sur les plages. Voilà.
Bon, ben voilà les amis, c'est la fin de cette journée à Deauville. Alors, bon, j'espère que vous n'avez pas trop de vent sur le... Parce que je sens bien le vent hein, là depuis ce matin. J'espère encore une fois que ça va pas gâcher la vidéo, sinon tant pis. Les vidéos où je parlerai, je reprendrai avec le téléphone, je sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, je la laisse quand même. Et excusez-moi vraiment si tout le long de la vidéo vous avez eu du vent. Voilà, avec cet appareil-là, c'est pas évident à gérer. Donc là, je m'apprête à bientôt. Je suis arrivé en avant. J'ai toujours peur de me perdre, de me planter ou qu'il y ait un problème. Donc je prévois large. Et là, ceci dit, j'ai prévu un petit peu vraiment large parce que mon train part dans 1 h 30. Donc je suis près de la gare de Deauville. Alors le bilan de cette journée, je vais faire comme Léa Salamé quand elle était dans l'émission On n'est pas couché, quand elle critiquait un livre, elle disait j'ai adoré votre livre, mais et puis là elle déglinguait tout le livre. Non, on va pas aller jusque-là parce que j'ai passé une très très bonne journée à Deauville. Par contre, il y a des choses qui m'ont déçu. J'ai passé une très bonne journée parce que ça faisait quand même un bon moment que j'avais pas vu la plage plusieurs années, alors que je suis pas très loin du coup, parce que j'étais bloqué par voilà, vous connaissez mon histoire maintenant. Donc j'avais même pas les moyens de venir passer une petite journée à la mer l'été dernier. Enfin bon voilà. Donc l'air iodé me manquait vraiment. Donc là ça m'a requinqué. Autre point positif, c'est que pour la baignade. Alors je sais pas du tout si l'action cam a marché. Parce que je voyais rien évidemment. Je l'ai mis sous l'eau. Voilà. Et j'avais la lumière du soleil en plein écran. Donc je voyais absolument pas les écrans. Je savais pas si ça se tournait. Voilà, donc si vous avez vu les images et que ça a marché, si vous les avez pas vues, bah hélas, c'est que ça a pas marché. Mais la boîte est bien étanche. En tout cas, j'espère que vous verrez les images. Je les ai mises avec moi. J'ai mis la caméra avec moi sous l'eau. J'ai tenté de me filmer un petit peu en train de nager. Enfin bon, on verra ce que ça donne parce que je peux pas les lire là avec cette caméra là. Donc on verra. En rentrant pour le montage dans l'ordinateur. Bon, par contre, il y a si point positif, c'est le restaurant aussi, parce que la salade, la veggie, finalement, il n'y avait pas de plateau de fruits de mer, ils en avaient plus. Sinon, c'était des huîtres et ça augmentait quand même le prix. Voilà. Mais la salade veggie, franchement, j'étais étonné parce qu'elle m'a bien nourri. Elle était très très bonne. Il y avait des saveurs que je connaissais pas, que j'ai découvert dedans et avec la petite bière là et puis les petites glaces, c'est bien passé. Et j'ai pour mon budget bouffe, bah, j'ai économisé pas loin de 20 € sur ce que j'avais prévu. Donc petit restaurant de plage et finalement, enfin petit restaurant de plage sur les planches, hein, j'étais sur les planches et finalement, bah, j'ai bien aimé. Donc ça, c'est positif. Maintenant, les points de négatif, moi je conseille à ceux qui ont l'habitude de voyager de ne pas venir à Deauville. Franchement, je ne reviendrai pas parce que Deauville, j'ai connu autrement. Alors, même le côté, bon là, on peut en rire un peu, le côté kéké de Deauville qu'on a connu. Il y avait des jeunes d'une vingtaine d'années qui économisaient toute l'année pour pouvoir se louer un petit bolide. Il y avait pas mal de locations de petits bolides de luxe là. Ah, ils économisaient toute l'année pour pouvoir se louer ça une journée et ils venaient à Deauville pour frimer un petit peu avec leur voiture de location et puis pour pécho. Mais ils pécho avec ça, hein. Ils attrapaient avec ça, hein. La pêche était bonne. Ils trouvaient des petites minettes qu'ils ramenaient le soir et puis ils avaient l'occasion de faire zizi pampan grâce à leur location de superbes voitures. Là, je les vois encore avec les décapotables à conduire torse nu et puis. Mais ils chopaient, hein, mais même ça, il y a plus. Et puis, bah, les plages sont dégueulasses. Il y a des déchets partout. Dès qu'on creuse un peu, on voit un truc, on croit que c'est un coquillage et finalement, c'est un bout de plastique. C'est franchement, la plage est dégueulasse.
Et voilà, ça a perdu le charme que ça avait. Alors l'architecture de la ville n'a pas beaucoup changé. Et par contre, les prix n'ont pas changé, hein, parce que au centre-ville, j'étais revoir le plateau de fruits de mer, c'était pour deux personnes. Hein, un plateau de fruits de mer pour deux personnes, 100 euros, 99 euros exactement. Faut peut-être pas déconner. Là, je viens de me faire un Schweppes, là, parce que j'aime bien le... J'aimais pas l'amertume avant, mais maintenant j'aime bien l'été, un bon Schweppes, pas agrume, un Schweppes, bien frais. Je l'ai payé 5,30 € quand même, hein, pour une petite boisson comme ça. Voilà, puis je vous ai montré une nuit d'hôtel, c'est hallucinant. Et puis finalement, pour voir une plage dégueulasse, c'est un peu... C'est un peu, voilà, c'est décevant. C'est pas, si vous êtes ailleurs en France, que vous voulez visiter la Normandie, bah, je vous conseille pas Deauville, hein. Franchement, voilà, même pour ceux qui aiment le côté prestigieux, casino, tout ça a l'air d'être mort. Enfin, le casino fonctionne toujours. Il y avait le côté marrant que je vous disais, tout ça, même ça, c'est terminé. Et voilà, et j'avais trouvé un bon petit coin pour me baigner où il y avait quelques gens, voilà, où on n'était pas les uns sur les autres. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a un CRS de plage là, sauveteur en mer, qui a fait sortir tout le monde de l'eau. Fallait être dans une zone surveillée, ce qui n'est pas plus mal, hein, surtout pour les enfants. Mais là, c'était obligatoire pour le coup, alors que moi, j'allais même pas où j'allais pas où j'avais pas pied, hein. Mais ils ont resserré tout le monde. Et après, on s'est retrouvé dans une espèce de bouillabaisse. Voilà, quand j'étais dans l'eau, chantait des gens glisser sur moi et tout ça. On était trop serrés les uns sur les autres, donc j'ai arrêté la baignade. Voilà, c'est pas que les gens me dérangent, hein. Il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de familles. C'était bon enfant, comme on dit, mais voilà, être serré comme ça. Moi, j'avais trouvé. Il y avait du monde, hein, au départ, mais beaucoup moins. Il y avait au moins la place d'être un petit peu tranquille, quoi. Hein, voilà. Par contre, j'ai rencontré un Haïtien, je crois, qui me faisait le comparaison de la plage, enfin de la mer chez lui à ici. Donc rien à voir. On a discuté un peu. On s'est encouragé à pouvoir aller dans l'eau parce qu'au début, une fois qu'on est dedans, la température, c'est génial. Hein, c'était franchement pas eu froid du tout, mais la première fois pour y aller, bah, glagla quand même, hein, les roubignoles faisaient pas les fiers, je peux vous le dire. Mais une fois qu'on est dedans, là, on s'aperçoit qu'elle est bonne. Voilà, selon le poste de secours, la mer était à 20 degrés et il faisait 25 degrés dehors, donc il n'y avait pas énormément de différence. Et puis, c'est pareil, dans le temps, j'ai connu la plage où il y avait aussi de quoi se rincer, des douches d'extérieur, là, de plage. Et là, j'en ai vu, mais alors j'ai vu deux malheureuses douches. Il y avait des enfants qui jouaient dessus. Bon, bah, ils s'amusent, les enfants, c'est normal, mais il y avait une queue pas possible derrière. Donc, du coup, j'ai pas pu me rincer, j'ai pas pu. Et je rentre avec du sel partout. Et d'ailleurs, je me aperçois, je vous montre, voilà, que j'ai parmi. Je suis toujours en claquette. Donc, je vais remettre mes chaussures civilisées, on va dire, en attendant le train, ou pourquoi pas dans le train. Mais voilà, une fois arrivé à Bernay, j'aurai mes chaussures d'action payées. Mais elles tiennent le coup, hein. Je sais plus quand est-ce que je les ai achetées, je vous l'avais dit, hein. Je les ai payées 10 euros chez Action. Elles ont quand même fait pas mal de kilomètres en marche sur le bitume, dans la forêt. Dans la boue, et elles tiennent le coup, hein. C'est bon, elles ont plus beaucoup d'espérance de vie, hein. Mais bon, voilà pour le bilan. Moi, la prochaine fois que j'irai à la plage, ce sera peut-être en scooter là pour le coup, mais ce sera pas à Deauville. J'essaierai de trouver un endroit ailleurs. Et puis si c'est pas en scooter, j'irai voir en Seine-Maritime. Aussi ce qu'il y a, mais voilà, j'étais très très content parce que l'air iodé me manquait énormément et ça m'a fait un bien fou. Maintenant, tout ce que je vous ai dit dans le négatif, ça m'a franchement déçu. Voilà, les plages sont pas des poubelles, et puis les prix, et puis tout ça. Mais j'ai quand même passé une excellente journée.
Donc maintenant me reste à rentrer par le train dans mes pénates. Et puis ce soir je sais pas, c'est fatigant une journée à la mer, hein, donc je suis crevé. Mais je vais peut-être commencer le montage ce soir où je vous retrouverai. Ce sera passé quand vous verrez la vidéo. Mais vous m'aurez peut-être vu en live, j'en sais rien du tout. En tout cas, pour l'instant, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vous mets plusieurs liens. Oui. Pour Tipeee, c'est important, j'avais dit dans ma vidéo qu'elle n'a pas pu être montée, du coup, pour Tipeee, parce que vous savez que j'ai fait une cagnotte Tipeee pour mon permis de conduire, je vous avais expliqué ça maintes et maintes fois. Je ne veux pas que des enfants mineurs fassent des dons, parce que j'ai pas le droit de les accepter. Donc, à part s'ils le font avec leurs parents, tout ça, mais il y en a un qui m'a demandé s'il pouvait me mettre quelque chose et tout. Et déjà, j'ai pas l'habitude de demander de l'argent à des enfants, c'est hors de mes principes. Et voilà, si les parents sont pas au courant, voilà, si ça se fait en famille, il n'y a pas de problème. Mais les mineurs, pas de dons Tipeee. Par contre, il y a un autre système. S'il y a des jeunes qui veulent m'aider, d'ailleurs, je vous en remercie du fond du cœur. C'est vraiment très très gentil de votre part. Je mets un autre lien qui s'appelle Clippy. Et vous regardez des clips de musique. D'ailleurs, au début, quand les premières fois, ça vous demande vos goûts, ça vous donne plusieurs choix. Voilà, vous pouvez faire des découvertes. Et ce n'est pas des pubs, hein, c'est des clips de musique. Et à chaque fois que vous avez regardé un clip de musique, vous me faites gagner, vous m'offrez 3 centimes d'euros. Alors, c'est pas énorme, hein, 3 centimes d'euros, mais si vous le faites plusieurs fois dans la semaine, enfin autant de fois que vous voulez, et que, si vous êtes plusieurs à le faire, eh bien, ça m'aide bien quand même, ça je peux vous le dire, et c'est de l'argent que je mets de côté pour m'aider à passer le permis de conduire pour mon futur mon projet que vous connaissez. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous ceux qui commentent mes vidéos. Je remercie Daniel pour son don Tipeee. Je remercie tout le monde pour votre gentillesse, j'ai vu dans les lives, hein. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on est sur la bonne voie là pour mon projet, changer de vie, aller voyager, vivre plus librement, etc., etc. On est sur la bonne voie. Ça se construit petit à petit, mais voyez par rapport à l'année dernière. Par rapport à mes vidéos d'avant, il y a quand même du mieux. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Et puis moi, je vais me balader encore un petit peu, puis je vais attendre mon train. Allez, bye bye.